Bonjour, bonsoir à tous et nous sommes ici sur la route entre Bierge et Limal et nous avons démarré notre chemin à Wavre. Nous sommes ici avec Bruno. C'est moi. Nous sommes donc ici en train de marcher avec un soleil qui va, qui vient, ce qui fait que l'image est chelou. On est bien d'accord, mais nous sommes là pour notre quatrième jour du festival Comency. C'est ça. C'est bien ça. Alors là, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, comme tu vois et comme tu fais, on marche. Exact. On marche, en fait, on fait ça chaque matin. Chaque matin, on prend ce temps de vraiment juste entre nous, les participants du festival Comency, de vivre quelque chose ensemble, quelque chose qui est un peu éprouvant aussi. Ça fait partie un peu de, du fait d'être unis. On n'est pas seulement unis dans les belles choses, on n'est pas seulement unis dans les veillées, dans les... mais on est aussi unis dans ce qui peut être plus difficile. C'est aussi l'occasion de prendre un peu un arrêt. Spirituel, par exemple, là, ben voilà, il y a 20 minutes, on a fait une bonne pause, qui faisait du bien après des montées d'ailleurs, pour un petit enseignement. Chaque matin, on prend le temps d'approfondir une béatitude. Des béatitudes dont, voilà, l'une d'elles, ce sera le thème des JMJ, heureux les miséricordieux. Donc voilà, alors ici, ce qu'on vient de faire aussi entre le départ de. Après l'enseignement, après ce temps en solitaire, un peu pour réfléchir à certaines questions. On vient de marcher un peu deux par deux pour échanger nos réflexions. Ça, on appelle ça, on peut l'appeler un temps d'Emmaüs. Alors vous voyez qu'on a un peu essoufflé parce qu'on marche, on a nos sacs, oui, nos gros sacs. Tourne-toi un peu Bruno, juste pour voir. Quoi? On a une idée des sacs que tu portes. Ouais, mais bon, moi j'en ai pas voilà. Un peu plus, mais bon, c'est, oui. C'est la vie. Hein, Mais voilà, vous voyez que j'ai aussi un sac dans le dos, deux sacs au dos. Et puis, voilà. T'as vu quand on marche et on cause et qu'on filme, c'est... ils sont loin derrière, on marche beaucoup plus vite. C'est oui, mais voilà. Bon, ben ça après... Chacun son rendement, hein. C'est... Lucie, voilà, tu es ici, on est à Namur. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu fais à Namur et avec qui est-ce que tu es venue? Alors, et d'où vient cette magnifique marinière? Je suis venue avec le diocèse de Cambrai. D'ailleurs, j'ai un drapeau français à l'arrière, là. Oui, on voit, fantastique. Voilà. Et Namur est l'une de c'est notre première étape, en fait. Et du coup, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez déjà fait? Est-ce qu'il y a des routes, des trucs Oui. Ça a l'air compliqué, moi j'ai pas tout compris. Alors, il y a plusieurs routes. Il y a la route Chopin qui fait du théâtre. Il y a la route Kremovka qui est une route de culture et de gastronomie. Mais la gastronomie, bon, on a un peu mis une croix dessus. Et il y a une route Vojtila qui est une route qui marche dans les montagnes. Il y a une route Popielusko qui est une route... une route sociale, en fait, ils vont faire plusieurs actes sociaux, entre guillemets, plus que nous, en tout cas. Et il y a aussi une route, la dernière route, c'est ils vont directement là-bas, oui, et ils font rien de particulier. C'est un peu le direct, quoi. Et il y a aussi 10 personnes qui sont, on appelle ça les personnes extraordinaires, oui. C'est 10 handicapés mentaux qui nous accompagnent pendant cette aventure. Ce qui met une très bonne ambiance dans le groupe, ouais, j'ai remarqué, ça c'est génial. Ici, c'est du coup votre deuxième jour, c'est ça déjà? Non, c'est notre premier. C'est le premier jour, d'accord, vous avez démarré ce matin? Oui, on a démarré ce matin à 10h, enfin plutôt 11h puisqu'on était en retard. Comme très bien. Mais... Là, vous êtes parti pour 20 jours, bien fait. Ah, moi, je suis parti, 20 jours. Ouais, ouais. Bon, c'est bien. C'est presque 3 semaines. Oui, c'est ça. Je suis motivé. Ouais. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. En espérant que tu vives de très belles JMJ. C'est merci. La première fois que tu pars au JMJ? Oui. J'aurais bien aimé partir à Rio, mais j'avais 17 ans. Ah oui, c'était un peu jeune, c'est ça. Que ici, maintenant, tu as l'âge. Voilà. Tu es motivé. Et ben voilà, en te souhaitant de très bonnes JMJ. Merci. Et puis, nous on se retrouve demain à Arlon. A priori, on devrait se voir. Allez, salut. Salut.